Alors effectivement, on a ce sentiment, et il est justifié, que le pouvoir s'exerce en France exclusivement depuis l'Élysée et notamment depuis le bureau du président de la République. On pourra le vérifier dans notre livre, Les lieux du pouvoir, grâce à Solène de Royer qui signe le chapitre sur celui qu'on a surnommé le bureau qui rend fou. C'est ainsi qu'un ancien conseiller de François Hollande avait surnommé ce bureau occupé par deux conseillers au tempérament un peu volcanique, Henri Guénaud et Aquilino Morel. Emmanuel Macron est le premier président depuis Valéry Giscard d'Estaing à avoir choisi ce bureau. Et beaucoup de choses sont décidées en France depuis ce bureau. Le grand Jean-François Revel décrivait la Ve République comme l'absolutisme inefficace. Alors là, on ne porte pas de jugement, mais l'absolutisme, oui, on en retrouve beaucoup de traces dans le fonctionnement aujourd'hui du pouvoir. Donc, au premier étage du corps central de l'Élysée, occupé par Emmanuel Macron et son secrétaire général Alexis Kohler, sont effectivement décidées beaucoup de choses. Néanmoins, au fil du temps, le pouvoir s'est un petit peu diffusé dans d'autres lieux que nous explorons dans ce livre. Bon, bien sûr, il y a Matignon. Est-ce que la fonction de Premier ministre est une fonction ou une fiction? Tugdual Denis s'interroge et mène l'enquête à Matignon, cette gare de triage, comme l'appelle Édouard Philippe. Mais il y a aussi bien d'autres lieux comme, qui relèvent plus du symbolique, comme la cour d'honneur des Invalides, où Emmanuel Macron, depuis quelques années, a choisi de rendre hommage à des figures marquantes de la France contemporaine, que ce soit le gendarme Arnaud Beltrame, ou des célébrités comme Charles Aznavour, Jean-Paul Belmondo, ou des grands politiques comme Simone Veil, mais aussi un lieu qui est entre le symbolique et, je dirais, le pratique, qui est le PC Jupiter, qui est ce bunker sous l'Élysée, où Emmanuel Macron s'est affiché président des conseils de défense et de sécurité intérieure. Alors là, effectivement, la question est pertinente. Ce livre, il explore le pouvoir dans ces deux dimensions. Le concret, hein, l'exercice du pouvoir, c'est un exercice, il est assez ingrat, comme le montre ce livre, qui nous permet de mieux découvrir les personnalités qui exercent le pouvoir en France, mais aussi le pouvoir. Il a une dimension symbolique. On est là dans l'apparat, car le pouvoir s'exhibe. Hein. Il s'exerce, mais il s'exhibe en même temps. Il se montre. Et c'est toute sa symbolique que nous explorons aussi dans cette grande enquête menée à une vingtaine de très bonnes plumes du journalisme politique et de l'histoire. Comment le pouvoir se représente, car à travers ces lieux, finalement, ces lieux peuvent se visiter comme on lirait un livre d'histoire, mais à travers ces lieux, c'est aussi la conception que la France se fait de l'État et de la politique qui se joue. Alors, effectivement, cette exploration des lieux du pouvoir nous permet de rouvrir certaines pages de notre histoire politique, plus ou moins récente, car pour comprendre la République actuelle, il faut se replonger dans ses racines monarchiques, car nous sommes encore dans une monarchie républicaine. C'est assez flagrant, en tout cas, quand on lit les chapitres, on voit à quel point ce pouvoir est encore très concentré et à quel point les préséances gouvernent encore notre organisation politique et sociale, le culte de l'étiquette. Mais le lecteur aura grand plaisir, effectivement, à travers ces chapitres, à revivre de manière assez inédite des épisodes. On n'avait pas mesuré, par exemple, pourquoi Jacques Chirac avait autant mis en scène sa présence au Stade de France pendant la fameuse Coupe du Monde remportée par la France contre le Brésil en finale. Et on découvre, grâce à Florent Baracco, qui signe ce chapitre, qu'il a voulu en faire réellement un lieu de représentation du pouvoir. Hein. Il était au plus mal à ce moment-là politiquement, après une dissolution ratée. Et là, une arène sportive devient un lieu, une tribune politique. Silencieuse, certes, muette, mais en tout cas, c'est intéressant de voir
comment ce choix s'est fait, comment s'est organisée cette mise en scène. Mais aussi, on revivra à travers des lieux beaucoup plus inattendus, comme l'avion présidentiel. Après tout, c'est vrai, beaucoup de Français se demandent comment est dirigée la France quand le président est en altitude. Très longtemps, moi j'ai appris dans ce chapitre, c'est le plaisir de diriger un ouvrage collectif, c'est que on est le premier à apprendre les choses, on veut être surpris. Et Nathalie Schuch nous raconte que avant que cet avion soit transformé récemment, l'initiative de Nicolas Sarkozy, le président pouvait pas être joint à part, fallait passer par la radio du copilote. Cet avion était mal commode, il fallait se poser régulièrement. Et là, elle va nous faire revivre un peu l'histoire politique récente à travers cette vie à bord de l'avion présidentiel. Emmanuel Macron qui part pour une visite d'État en Algérie, qui a appris le matin même la mort de Johnny Hallyday, mais aussi comment cet avion a été choisi pour transporter Zelensky au sommet, un grand sommet international au Japon. C'est la France qui l'a transporté. Donc là, il y a une valeur évidemment symbolique. Mais aussi, on revivra certaines crises politiques depuis Souzy la Briche, qui est cette gentilhommière de l'Essonne, où François Mitterrand avait abrité sa deuxième vie de famille, qui était secrète, et qui est ensuite devenu le lieu de repos des premiers ministres, mais aussi depuis la tribune du 14 juillet, hein, cette tribune qui n'est pas le centre de l'attention lors du défilé, mais où se sont jouées beaucoup de choses, notamment diplomatiques, ainsi que dans les domaines de chasse, de Chambord et de Rambouillet, où on découvre qu'une la diplomatie parallèle s'est jouée dans ces lieux à l'abri des regards. J'ai voulu absolument mener cette enquête sur la tribune du 14 juillet, car ce lieu m'intriguait. Vous voyez, quand vous suivez les retransmissions à la télévision, la caméra quand même s'attarde un peu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se dit? Pourquoi comment sont placées les personnalités dans cette tribune? Il y a eu des tribunes mémorables, cette fameuse, beaucoup de chefs d'État étrangers d'ailleurs, on se souvient de la visite de Donald Trump, beaucoup de chefs d'État étrangers sont apparus hein, à cette tribune, et Trump après le 14 juillet français en montant dans l'avion dit « je veux la même chose en France, aux États-Unis, je veux un défilé ». Donc je voulais comprendre quels étaient les ressorts, les secrets du protocole qui régissait ces tribunes, et là, j'ai découvert à quel point là où on est presque dans une caricature de l'étiquette et de la préséance française. J'ai découvert notamment que longtemps le siège du président de la République était de 5 cm plus haut que les autres fauteuils derrière lui, que François Mitterrand avait tenu à apparaître un peu devant les autres personnalités du régime lors de son premier 14 juillet, mais pour asseoir sa légitimité. Car à chaque fois, ce protocole, cette représentation du pouvoir sert quand même à asseoir une légitimité. C'est le but. Et je voulais aussi comprendre, je voulais redécouvrir certains épisodes de notre histoire à travers cette tribune. On se souvient de la fameuse tribune du 14 juillet 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, avec, vous vous souvenez, cette vitre qui a été installée pour protéger les chefs d'État à la demande des services américains, mais aussi la fameuse tribune avec sous Nicolas Sarkozy, avec Kadhafi et d'autres, ce qu'on avait surnommé la tribune des dictateurs, lors de le grand rassemblement pour l'Union pour la Méditerranée. Donc ce lieu me permettait à la fois de toucher de près tout ce qui restait de la société de cour, de l'étiquette en France, mais aussi de voir comment un lieu muet, à quel point il pouvait avoir un rôle politique important.